Relaxes Production presents. DJ Uniform avec. Mesdames, Messieurs, bonsoir et aussi bonjour. Alors, je vous dis bonsoir et bonjour parce qu'il y a des gens qui vont regarder le show pendant la matinée. Vous savez pertinemment qu'il y a une rediffusion qui se fait tous les matins à compter de 10h sur Canal Bleu, chaîne 38, la télé que vous voulez. Vous savez que c'est toujours un plaisir d'être ici pour vous apporter ce show que vous adorez déjà. On salue les gens qui nous non seulement regardent sur la chaîne 38, mais aussi les gens qui nous regardent aussi sur Internet. Vous savez pertinemment qu'il y a la télé 38, chaîne 38, Canal Bleu. Vous pouvez aussi nous contacter sur www.creole.tv. Et aussi, aussi sur YouTube. Vous pouvez regarder le show, bien sûr. On dit merci à nos sponsors. D'abord, ceux-là qui nous supportent financièrement. On veut parler de l'huile Pure Guard, qui c'est pi bon l'huile pour mettre dans le moteur machine. C'est pi bon l'huile pour mettre dans le moteur motocyclette, moteur bâtiment, moteur avion, même moteur bicyclette, pourquoi pas. On dit aussi merci à Kasami pour ce magnifique salon. Merci à Kasami. Merci aussi à Blue. Blue qui c'est téléphone pays hein? Et moi toujours dis nous ça Blue gain un pile bel petit cadeau que le pral porter pour maman petite très bientôt dans show ça sur ce divan n'a recevoir maman Simonio qu'a recevoir des formidables cadeaux que Blue pral porter pour nous pour rentrer l'école là. On doit dire merci aussi à Tampico et Ragaman qui je vous le rappelle et pour aller gagner un tirage pour le faire très bientôt et un tirage pour aller gagner un pile mais vraiment un pile bagaille que nous pour aller gagner la dernière machine neuf bien sûr Delco inverteur un paquet de belles cadeaux que Ragaman Tropique ça a porté pour nous et une petite information pour nous là je dis hein. Est-ce que vous saviez, par exemple, que en Virginie, il est pratiquement déconseillé, bon, c'est même illégal de chatouiller une femme, même si c'est madame. Bizarre, hein? On connaît Nectar Yvens François, qui adore chatouiller sa femme. Alors, Yvens, c'est pratiquement illégal en Virginie de chatouiller une femme, même sa femme. Bizarre, hein? Il y a des gens qui ont regardé des choses là, qui ne peuvent jamais vivre dans un pays comme ça. Parce que c'est des gens qui aiment chatouiller. Ok, une autre information pour vous autres. Laissez-moi vous dire que tout peuple a une culture. Tout pays a une culture. Contient information que m'a banou là concernant l'Inde. Est-ce que nous te connaît par exemple que en Inde manger du placenta? Est-ce que nous connaissons placenta d'abord? Placenta c'est poche. Madame enceinte, madame enceinte, c'est poche qui kembe bébé, c'est poche qui kembe petit là. Yo relé ça placenta dans langage médecine. Manger du placenta,
c'est une pratique extrêmement répandue en Inde. Il y a des gens là qui ont regardé là, qui ont dit « Oh, beurk, oh, c'est pas possible ça. » Manger du placenta. Non, c'est une pratique extrêmement répandue. Non seulement la femme qui accouche le bébé, manger, mais tous les membres de la famille gagnent pour obligation de manger du placenta. Oh my God! C'est Dick Denis, je connais qu'on ne peut pas le vivre dans un pays comme ça. Ok. C'est le moment de la première pause. On vous revient tout à l'heure avec d'autres informations pour vous autres. Et aussi notre invité qui sera aujourd'hui. Smoy, vas-y. Ka jere Twitter, Facebook, mwen ple gade ti YouTube mwen. Map chat, email yo sou kontrol. Mwen koum sa mwen vle. Telephone Blue. Pake negosye se li pi bon nan mouman. Telephone Blue. Li pi bon mache, pi bon kalite. Telephone Blue. Li fasil pou jere wap jeni tout kote. Telephone Blue. Se pou sa se li ki telephone peyi ya. Caméra, photo, vidéo, Wi-Fi, MP3, c'est Blue qui téléphone PIA. Blue, téléphone PIA. Disponible dans tout magasin Digicel. Une bonne nouvelle, un babouchon belle. Commencez moi septembre là, Tropique Sabla y'en pile cadeau sous nous. Machine chevolet, motocyclette vive, Iveste, Frigide à télévision, Figi Vlad, Valéa Yokanes, téléphone Blackberry à un pillage. Qui des gens qui a gagné? Premièrement, soit toujours le primeur, direct, un babouchon, robusto, ragaman, à un vrai ragaman, gold là, qui va faire réclamer dans tout dépôt autorisé ou bien mobile ragaman là. Deuxièmement, ou je laisse un babouchon pour faire mes mots, ragaman. Robusto ou bien gol. Pour ça, vous permettre de participer à un gros tirage. Côté vous kage, un pile boost de titre, une vete avec plusieurs machines. Un babouchon, belle papa. Débouché kage, achetez bouchon yo. Tirage ça a fait dans le deuxième vendredi, mois d'octobre, décembre et février 2013 sous Télé-Caraïbes. Les productions Lionel Lamar explosent en éclats. À travers la 18e édition Haitian Entertainment Awards, il y aura 8 catégories, dont la chanson de l'année et l'artiste de l'année. Le trophée Outstanding Achievement sera décerné à Lionel Benjamin. Musique Musique, Yol de Rose, Carole de Masmin, Zéclé et l'honorable magistrat Wilson Judy. Pour leurs 50 ans de service respectifs, l'orchestre Tropicana et Michel Tassi de l'orchestre septentrional recevront a Lifetime Achievement. Son Excellence Michel Martelly recevra tous les honneurs dus à son rang ce soir-là. Redécouvrez Chaka Dance, Raram, Tikoka, Jean-Jean Roussel et Juanito. Ce samedi 22 décembre, 8h du soir, le luxueux palais municipal de Delma va dérouler son tapis rouge en signe de respect au spectaculaire Haitian Entertainment Awards 2012. Prix du billet 1000 gourdes. Info 48 13 22 30 31 07 08 60. De retour, mesdames, messieurs, et c'est votre show, le
le plus aimé dans le moment que n'a pas l'air là, qui suit son cours. Et je vous l'avais annoncé, Smaïn Wazi, qui est notre invité pour ce aujourd'hui. Véritable modèle pour les jeunes, un acteur, non seulement acteur, mais un humaniste à nul autre pareil. Je peux vous en parler justement parce que son n'est que moins pratiqué déjà. Par conséquent, moins capable de parler de monsieur. Smaïn, vous comprenez? Voilà, Evans. Et très content sur le plateau ensemble avec aujourd'hui. Hein. Nous saluer tous les téléspectateurs émission. Son plaisir pour nous rencontrer Smaïn aujourd'hui hein, parce que nous connaissons personnellement que c'est un modèle pour jeunesse là en matière d'humanisme d'abord et puis en matière cinématographique si on peut le dire ainsi. Ça fait longtemps que vous parlez en film pour quelle raison? Bon, parce que d'abord il était peut-être intelligent que nous ferons camper pour nous évaluer le parcours hein, d'abord, pour nous évaluer les résultats. Hein. Font inventaire de tout ça que fait et garder qui côté nous y est dans l'itinéraire, là, dans le parcours là, par rapport à l'objectif que nous fixons tête nous. Et puis, ouais, comment nous avons reparti avec de nouvelles stratégies et avec des formules qui portaient plus résultats, qui plus efficaces. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu te rappelles de ton dernier film personnel, ton film personnel? Que tu as réalisé et que tu dans lequel tu as joué aussi. Dernier film que j'ai participé dans la réalisation, c'est Millionnaire par erreur. Mais c'est Jean Gardy qui t'a fait réalisation hein, après on en parler. Et bon, c'est moi qui t'ai écrit le scénario à tout. Mais c'était beaucoup plus un film pour rendre Jean Gardy en hommage. OK. Et son film qui est sorti 10 ans après première expérience que j'ai fait avec Jean Gardy bien-aimé, et qui c'était le cap à la une. Donc, nous t'es estimé légitime que nous, ben Jean Gardy, on espace de visibilité pour remercier de tout le travail qu'il fait dans le milieu cinématographique là. Parce que, bon, Jean Gardy drainait toute en génération, si vous voulez. Tout à fait. D'elle, et la question cinéma. Il me pensait que, bon, opportunité cinéma a gagné aujourd'hui. Hein, même si il y a un pilote qui travaille là-dedans, mais Jean Gardy, c'est y en a pionnier. Tout. Est-ce que Smaïn Wazi pour que j'aime réaliser un film Non. À part Millionnaire par erreur que nous avons participé dans la réalisation, non. Non. Ok. Tu n'as pas ça en tête? Et sûrement pas. Sûrement pas. Et moi, j'ai lu des films dans la tête, mais moi, je suis certain que ce n'est pas moi qui ai réalisé encore. Et moi, je suis certain tout que ce n'est pas moi qui ai engagé pour faire. Okay. Ou si t'as déjà, et puis ou imaginer tout scénario film, non? Ou imaginer l'histoire d'abord, et puis scénario, et puis et réalisation qu'on a pour le venir, ou décider de pourquoi venir. Ce sont l'autre monde qui peut réaliser. Non, et scénario, c'est moi. Mais réalisation et implication, parce que après la première expérience que j'ai fait dans Millionnaire par erreur, moi j'ai dit que je ne peux jamais relancer maintenant. On va jamais battre tête mon autre défi qu'on sait encore et bon parce que c'est des risques énormes, c'est un risque énorme par rapport à commanditaire, par rapport à public là, par rapport à tout un ensemble d'éléments et engagé dans réalisation cinématographique c'est pas une mince affaire et c'est expérience qui permet de comprendre que Jean Gardy et tout l'autre nègre qui engagé dans le domaine, non, c'est pas de la petite bière. Et Jean Gardy, on a toujours gagné admiration pour lui parce que bon, Jean Gardy commençait à faire film dans un moment côté que pas de gain cellulaire encore, dans un moment côté que c'était analogue. Je dis à n'importe qui, avec n'importe qui computer ou bien n'importe qui caméra qui a filmé et puis remettait séquences de manière chronologique. Alors qu'avant, c'était respecter chronologie d'abord pour faire film, non. C'est-à-dire, pas de cap bêté, pas de cap font séquence qui vient après pour finir de travailler avec lui. Après ça, vous mettez dans l'espace que vous voulez là, dans le film. Alors, des nègres, Jean Gardy, c'est des nègres qu'on considère tant que des héros, c'est ça? Moi, quand la façon dont on décrime là. Non, c'est clair. C'est des héros et je pense que c'est la passion seulement qu'a fait et des mouns atteindre l'objectif dans la dimension, ça. Parce que bon, et Jean Gardy, c'est le film d'abord et puis le reste après. Et c'est ça la passion. Voilà, et encore une fois, Smaïn Wazi est avec nous autres.
sur le divan de M. Jean, qui passe tous les soirs, entre 7h30 du soir jusqu'à 8h30. Et puis aussi, il y a une rediffusion qui se fait tous les matins à compter de 10h du matin. Et ce mot, c'est pratiquement dommage, parce que Jean parlait là, nous n'avons pas eu le temps depuis notre palais dans le choix, même étant senti que sur le plan cinématographique, on n'est pas prêt de revoir ce mot noisy. Non, non, on n'a pas dit ça, au contraire. Et je pense que en 2013, là, c'est vraiment une année décisive. Et à partir de 2013, je pense qu'on paquette pas de bagages qui va relancer. Pas oublier que nous en plein dans le nouveau monde. Et la fin du monde fait que ce trivé là. Et nous sommes les survivants de cette fin du monde. On va en parler. Hein. Donc, je pense que nous allons continuer à bâtir le projet, d'autant que nous avons gagné bien avant la fin, parce que nous avons sûr et certain que nous sommes parmi les survivants. Et de fait, nous sommes parmi les survivants. Donc, les survivants doivent avoir un projet, ils doivent continuer à rêver. Et c'est ça qu'on va continuer à faire, parce que bon, et déjà, le 1er janvier, nous avons parti avec une belle initiative qui s'est Kitanago. Et probablement, on entendait parler de lui déjà. Oui, c'est bien sûr, un projet de Harry Nicolas, qui, Maître Fayvette, qui projetait, fait en pièce d'art, sorti Les Iois, qui représentait Pointe Ouest PIA, pour faire le monter à pied, par relais, avec des gens qui pourraient le relayer, yon lot, pour permettre que nous traverser l'ouest pour aller vers l'est, qui représentait à peu près 700 km route. Entreprise ardue, hein? Oui, très ardu, mais alors moi j'ai toujours dit c'est pas entreprise là, des fois qui est ardu, c'est environnement. Parce que Kitanago qui représentait à peu près 7 sacs ciment en termes et de poids. Et si nous prenons 12 millions haïtiens, et nous dit bon, ok, on prend 3 millions. Dans ça, nous considérons qui est vaillant, qui gagne plus force, etc. Combien sacs ciment nous a levé et fait sortir dans la pointe ouest pays à voir aller dans la pointe est pays si nous faisons un simple calcul. Donc, et des fois, c'est pas toi qui loue, c'est société qui loue. Tout à fait. C'est quelque chose qui va se faire par relais. Par relais. Extraordinaire. Nous allons faire du coq à l'âne. Nous allons retourner sur le cinéma tout à l'heure. Mais projet ça que Harry Vignan. C'est sûr qu'on aura Harry avec nous autres très bientôt, chers amis. Un personnage que j'adore, même depuis la première fois que j'ai rencontré monsieur, cela remonte à des années. Maître Fayvette, son nègre qui te font effet considérable, ou moins. Vous participez avec monsieur dans le projet Zaz? Oui, bon, monsieur, t'es contacté moi parce que responsabilité pas nous, c'est promotion, c'est communication. Parce que son projet qui m'a dit en pile promotion, qui m'a dit. En pile communication, parce que bon, son véritable défi d'organisation, son véritable défi d'inventaire, son véritable défi d'évaluation, tout que le pralier pour nous tous qui a participé là-dedans et qui croient là-dedans. Donc, c'est pas une superbe expérience. Ok, superbe expérience. C'est pas une superbe expérience, c'est sûr qu'il n'y a pas à sortir de là. Nous connaissons qu'on gagne en pile expérience, en pile bagaille, en pile entreprise que. Qu'on réalise déjà. Par exemple, on bagaille qu'on fait chaque carnaval, avant carnaval, est-ce que vous parlez reprendre ça à l'année encore? Bon, on parle sûrement de Star Parade. Star Parade, et qui c'est une activité traditionnelle. Bon, bien que nous toujours voulions mettre en dehors de carnaval là, parce que nous ne voulions pas associer à carnaval, parce que carnaval là existait déjà. Tout à fait. Et Star Parade, c'est une activité que nous organisons à la période du carnaval, parce que mon période de carnaval là, c'est un moment de grande circulation, que c'est un moment de grande visibilité, et la presse motivée, et moun sont de tous côtés viennent participer dans le carnaval, donc nous pensons que il était important que nous créions un espace, côté que chaque monde qui a venu avec personnalité, avec talent, compétences, performances, pour monter son podium dans la période de carnaval là. Donc Star Parade, c'est un peu ça, c'est extirper tout le monde qui dans le moment carnaval là, ont des gens perdus dans la foule et bâtir un podium côté que les visages et les personnalités peuvent encore être reconnus. Ok, mais c'était qui objectif avec Star Parade? Bon, Star Parade, c'est même la même lignée, avec même courant d'idées avec Caribbean Group, c'est bâtir zone côté que nous avons rencontré.
côté que nous cab et fait interaction et puis bâti en relation humaine cordiale parce que pas aucune société qui a d'abord commencé à communiquer si on ne pas rencontré. Ça veut dire que ou est-ce que vous sentiez le seul fait que on a pratiqué société ça, le seul fait qu'on fait partie de société, on sentit que y a un problème dans la société. Ben, c'est clair et nous pas senti seulement nous avons conséquences là tout. Parce que c'est pas comme sentir le vent souffler, c'est voir ses effets également dans les arbres ou bien ça le jeter sous route li, ça la vili, ça le démolit, etc. Donc nous pensons que bon, c'est le problème de communication dans la société d'abord et on sait le problème de au niveau des relations humaines et qui pas normal parce que n'a aucun pays sous la terre qui a fonctionné et ou pas un constat ça qu'on a en Haïti hein, avec un véritable cloisonnement entre monde côté que tout le monde pratiquement d'inséré et côté que la confiance pas au rendez-vous côté que et c'est l'irrespect qui prime donc par aucune façon bâti quoi que ce soit et il y a l'idée justement que nous partager avec et tout membre de au niveau de Caribbean Group c'est que le respect c'est lui qui déterminé qui à la base de tout ça n'a pas accompli dans la vie hein, que c'est dans les relations humaines enfin que c'est au niveau de l'amour que c'est au niveau des affaires que c'est au niveau de l'amitié. Et si le respect n'a pas existé, ben... Ah non, écoute, il n'y a pas de... Tout bien, j'ai dit. Écoute, en question plus ou moins bizarre que je vais poser où. Bichard. c'est pas bizarre. Écoute, moi, est-ce que... Ma peut être au bon si tu me dis quoi pendant que... Ouais, j'espère que le bon. Tu me dis quoi, pas bien pas bon. Dis-moi ce que tu en penses. À la fin de l'émission, on verra. Non, on verra. Si je vais à vide net. Ok. Est-ce que Star Parade est basé sur une forme de, d'unification ou bien de réunification? Et. Le mot, tu l'as même sens. C'est clair, même parce que moi, il y a un sens que nous voulons bailler. Ah oui, tout à fait. Et. Mais. Ça a un sens, c'est. Ça mène un résultat pour nous. Et si nous faisons cette parade seulement pour unification ou réunification, on ne peut pas avoir aucun sens de toute façon. Et ça parade faite pour résoudre ce que nous considérons comme un problème au niveau de la société. Relationnel. Au niveau de la société d'abord. Et qui empêchait que résultat nous intéressant, d'abord pour nous et pour la communauté que nous avons évolué en dedans. Tout. Et je pense que. Le fondamental que je dis à chaque monde chita pour repenser le pays, pour repenser ça que nous gagnons dans l'environnement comme opportunité, comme potentialité, comme possibilité pour nous investir dans eux. Et moi, je crois que le premier nègre qui te fait calcul et qui dit un et un fait deux, et s'il ne partage pas l'idée avec le monde qui est entouragé, il tape qu'on est un fait deux à vous compte. Il n'est pas un repère de communication, il n'est pas utile personne monde. Donc, je pense que ce qui est important, c'est bâtir l'esprit, bâtir des idées, bâtir la pensée, de sorte que le productif. Parce qu'aucun être humain ne va pas vivre dans un milieu qui n'est pas productif, dans un milieu qui n'est pas pensé, ou bien qui va penser productivité. Mm-hmm, mm-hmm. Parce que pas qu'un être humain sans productivité. Tout à fait. Mais on lance deux entreprises là qui, d'envergure, non seulement Star Parade, mais aussi l'École de la vie, qui déjà fait son petit bonhomme de chemin, qui commence à réunir, qui commence à faire le plein de monde. Bon, et. Nous essayons ouais, comment nous capables pour tes contributions par nous, avec moyens par nous, dans zone d'influence par nous et moyens par nous, je me dis. C'est bizarre parce que c'est le bail qu'on fait sans but lucratif. Quand je dis c'est bizarre, c'est. On connaît pertinemment chaque entreprise au monde fait sous terre, justement, c'est des bons buts lucratifs d'elle. Mais nous-mêmes, c'est le bail qu'on fait sans but lucratif. Bon, et si nous avons fait là un but lucratif et puis nous fait 250 millions de dollars chaque mois, par exemple, et puis après ça, il faut aller changer en bras, il faut aller changer en pied, il faut aller changer. Parce qu'on motocyclette passe là avec Yon, parce que société a démoli nous chaque jour.
Et vous pensez que l'idée est plus intéressant? Finalité, ce n'est pas faire l'argent. Finalité, c'est qu'à profiter tout de l'argent. Et une grande chose qui est fondamentale, c'est que nous n'avons pas qu'à boire l'argent, même l'argent liquide. Je suis certain que ce n'est pas l'argent liquide qui n'en fait oh là là. Ça c'est un bico. Ça c'est un bico. Ça c'est un bico. Donc, mesdames, messieurs. C'est ça l'idée. Et il faut nous pratiquement et rationnel. Il faut nous connaître véritablement qui s'est cassé la vie et qui s'est pas cassé la vie. Qui s'est semblé à cassé la vie et qui s'est cassé la vie réellement. Tout à fait. Chose à son show qu'il a justement pour mettre sous les feux des projecteurs. Des mouns, on toujours dire oui, des mouns qui normalement t'as supposé représenter des exemples pour jeunesse. Ils ont toujours dit que manquer exemple, manquer modèle pour jeunesse. Ce n'est pas vrai. Il y a un pile modèle pour jeunesse. Et chose ça, c'est là justement, c'est dans, pratiquement dans le type de entreprise ça, que les mettez tête, les rentrer justement. C'est vous faire voir, vous présenter et vous faire connaître les modèles. Nous ne sommes pas en manque. Non, pas du tout. Mais il y a un devant nous là qui est le noisy. Je me connais que je me suis fait un yen en ville qui passe ça. Mais. Il faut prendre un gros risque. Non, pas pour aucun risque. Parce que c'est un bonhomme que j'ai pratiqué. Bon, écoute, c'est un bonhomme que j'ai pratiqué moi-même. Je parle de monde, je parle de nous justement, de monde que moi-même je connais. Je connais pertinemment et personnellement. Je prends pause là, qui sera notre deuxième pause, et puis on revient avec Smoy Noisy, bien sûr. Gérer Twitter, Facebook, web, les gars, ti YouTube, moi. Ma chat, email, yo, sous contrôle. Moi, comme ça, moi, v'lé. Téléphone, nous. Baguer négocier, c'est li pi bon dans le moment. Téléphone, nous. Li pi bon marché, li pi bon qualité. Téléphone, nous. Li facile pour gérer, wap, je n'y tout côté. Téléphone, nous. C'est pour ça, c'est li qui téléphone, pays. Blue, caméra, blue, photo, blue, vidéo, blue, Wi-Fi, blue, MP3, c'est Blue qui téléphone PIA. Blue, téléphone PIA. Disponible dans tout magasin Digicel. Les productions Lionel Lamar explosent en éclat. À travers la 18e édition Haitian Entertainment Awards, il y aura 8 catégories, dont la chanson de l'année et l'artiste de l'année. Le trophée Outstanding Achievement sera décerné à Lionel Benjamin. Musique Musique, Yol des Roses, Carole Demasmin, Zéclet et l'honorable magistrat Wilson Jeudy. Pour leurs 50 ans de service respectifs, l'orchestre Tropicana et Michel Tassi de l'orchestre septentrional recevront un Lifetime Achievement. Son Excellence Michel Martelly recevra tous les honneurs dus à son rang ce soir-là. Redécouvrez Chaka Dance, Raram, Tikoka, Jean-Jean Roussel et Juanito. Ce samedi 22 décembre, 8h du soir, le luxueux palais municipal de Delma va dérouler son tapis rouge en signe de respect au spectacle
spectaculaire Haitian Entertainment Awards 2012. Prix du billet 1000 gourdes. Info 48 13 22 30 31 07 08 60. Monsieur, nous sommes de retour et puis nous sommes toujours avec Smoy Noisy. On remercie les gens qui nous envoient de gentils messages sur Twitter. Nos grands pile followers sur Twitter qui toujours envoient de belles messages pour nous. C'est sûr que le message ça a concerné Shoah et on essaie justement d'apporter beaucoup d'améliorations à ce jour. Juste pour le cas plein, non? Beaucoup plus bien sûr. On remercie nos sponsors, ceux-là qui nous supportent financièrement. Nous voulons parler de Tampico. Tampico. Oh my God. Tampico, Ragaman. Tout produit tropique ça, qui c'est patron Chosa. On remercie aussi Blue, qui c'est téléphone pays. Hein. Blue qui gagne un pile bel petit cadeau, que nous allons offrir très bientôt dans Chosa, sous divan ça, à plusieurs mamans dans la capitale là. Qui gagnent pour voyer petit à l'école pendant le mois de janvier, après fête, bien sûr. Et puis, on a remercié aussi Kasami pour ce magnifique salon et puis mon bureau. Kasami, extraordinaire. On a remercié l'huile Pure Guard, qui c'est plus bon l'huile pour moteur machine. Plus bon l'huile pour moteur, motocyclette, bâtiment et même bicyclette. Pas de mentir dans ça. Et puis, Smoy, on va y revenir. Nous allons retourner avec Smoy Noisy. On va retourner sur la partie cinématographique. Là. Où sont super acteurs. Moi-même, Wally, où sont les que moi-même, ouais, cap acte en pile dans le movie. Tout à l'heure, là, il y a un pile, mais vraiment un pile réticence. Quand à voir ce quand à revoir ce Smoy Noisy non on filme encore qui sont quasi toutes fanatiques ou cap gado là dans le monde entier chargé avec fanatiques qui aimait ouais ce Smoy Noisy cap acte et puis cap parler non on filme bon nous croyons que c'est extrêmement important que nous bâtissions un environnement qui entretenu pas seulement cinéma mais qui entretenu personnel cinéma tout ressources humaines cinéma. Et c'est un peu ça que nous travaillons sur lui. Et nous croyons que pause nous prend, c'est pas une pause de découragement, c'est pas une pause d'abandon. C'est une pause pour réévaluer, j'aime peut-être Zouli. Et pour ouais, bon, une expérience qui était faite avec des nègres qui étaient passionnés de cinéma, une expérience qui est faite avec des nègres qui croient dans le domaine et qui investissent là-dedans. Donc nous-mêmes, dans la nouvelle génération, hein, faut nous pour tomber en plus. Faut nous partager avec le public, il faut nous partager avec des jeunes qui sont intéressés à cinéma et des expériences nouvelles, connaissances nouvelles qui permettent que nous améliorer et circuit. Hein. Que nous avons un cinéma qui puisse répondre et selon les normes, que nous avons un cinéma qui puisse technique, que nous avons un cinéma qui voulait dire un bagage et pas cinéma juste pour faire cinéma. Parce que si c'est pour le cinéma, on l'a fait chaque jour. Et moi, je crois que le fondamental que ça n'a fait, où nous avons un sens, même si c'est cinéma. Et moi, je crois que peut-être que le cinéma, c'est le plus gros créneau que nous avons utilisé, je dis, hein, pour nous partager avec le public, là, pour nous bâtir des modèles, genre, pour nous bâtir
des repères, des références qui pas gagnent dans la société. Parce que je dis, hein, à partir du cinéma, on est grandi juste au Japon. Et puis, je parle de Haïti. Je parle avec un nègre qui est en Haïti ou bien un nègre qui est dans l'autre pays, mais avec des références que toutes ont gagnées à partir du cinéma. Et ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, parce que je dis, on est caché dans le salon, la palais de Bichat, la palais de Fresnel Lauzilière, la palais de Réginald Lubin, qui des références que tout le monde bâtit, que tout le monde acceptait à partir de l'expérience que vous faites dans le cinéma. Et de la même manière, nous avons, avec deux hommes d'affaires, trois hommes d'affaires, quatre hommes d'affaires, nous avons discuté. Et nous jouons éléments qui permettent que, à partir de ça, nous débattons, nous jouons des arguments pour nous engager nous dans des entreprises et que nous avons rentabilisées. Et moi, je pense que c'est ça, je dis, hein, qui doit être espace de réflexion. Hein. Parce que le cinéma n'est pas cloisonné, nous sommes dans le cinéma uniquement. Le cinéma ouvre un paquet de portes que nous devons exploiter. Parce que j'en suis dit là, et ce mois noisi pas seulement arrêté sous le territoire haïtien. Grâce au cinéma, il est tout de côté, je dis. Hein. Et je pense que c'est des opportunités à exploiter. Ok, vous faites un pile publicité ces derniers temps, depuis toujours, bien sûr. Est-ce que vous pensez que Yoka Bouesmo et Mazino ont beaucoup plus de publicité, par exemple, vidéographique? Oui, pourquoi pas. Depuis proposition au fait, depuis conditions réunies, oui. On a commencé avec vous. Est-ce que vous estimez que vous êtes abordable et pour sponsor? Ben, je me suis évalué parce que je ne suis pas footballeur, habite là et public là en même temps, dans ma propre équipe PAM. Donc, je préfère quitter en instance qui n'a rien à voir avec moi, évaluer, vous connaissez ma abordable parce que bon, je me souhaite abordable, mais je peux ne pas l'être sans m'en rendre compte. Non, mais tout à fait. On pourrait, par exemple, se dire, je me mets à la place de sponsor, on pourrait se dire, par exemple, ah, ce monsieur-là, il est beaucoup trop cher pour moi, je ne vais pas l'aborder. C'est nécessaire, Amdou, est-ce que tu penses que tu es abordable? Pourtant, vous sont les qui sont très chers à moi. Je serais prêt à mettre le prix. On y mettra le prix. Smoy, nous allons prendre la troisième pause, nous, et puis nous allons cette fois-ci sur le divan. On va essayer d'allonger naturellement notre patient sur le divan et puis essayer de lui tirer les verres du nez. Ce qu'on fait d'habitude. À tout à l'heure. Ka gérer Twitter, Facebook, web, ouais. Les gars ti YouTube, moi. Map, chat, email, yo, sous contrôle. Moi, comme ça, moi, vle. Téléphone, nous. Pas qu'il négocie, c'est li pi bon un moment. Téléphone, nous. Li pi bon marché, li pi bon qualité. Téléphone, nous. Li facile pour gérer, wap, je n'y tout côté. Téléphone, nous. C'est pour ça, c'est li qui téléphone pays. Saplou, caméra, Saplou, photo, Saplou, vidéo, Saplou, Wi-Fi, Saplou, MP3, Saplou, c'est Blue qui téléphone PIA. Blue, téléphone PIA. Disponible dans tout magasin Digicel. Mika Benvin ban nou bon nouvel. An ba bouchon bel. Komanse mwa septem lan. Tropike Sabla yon pil kado sou nou. Machin chevole, motosiklet fiver, investe, frigide ak televizyon figi brad valye yo kanen. Telefon Blackberry ak an pil aje. Gye dejon kage. Premièrement, swap toujwen primen. Direk direk an ba bouchon robusto. Ragaman ak nou vo ragaman gold la. Ke waka reklamen nan tout depo otorize. Ou mye mobil ragaman nan. Deuxièmement, wajon let an ba bouchon yo pou fame mo. Ragaman, Robusto ou bien Gold. Mon sa yon permet de participer dans un gros tirage. Côté wap kage, un pile boost de titre, inverter et plusieurs machines. Un babouchon, bel papa. Débouché kage, achete bouchon yo. Tirage sa a fait dans deuxième vendredi mois d'octobre, décembre et février 2013 sous Télé Caraïbes. Les productions Lionel Lamar explosent en éclat. À travers la 18e édition Haitian Entertainment Awards, il y aura 8 catégories, dont la chanson de l'année et l'artiste de l'année. Le trophée Outstanding Achievement sera décerné à Lionel Benjamin. Musique, musique. Gold des Roses, Carole Demasmin, Zéclé,
et l'honorable magistrat Wilson Judy. Pour leurs 50 ans de service respectifs, l'orchestre Tropicana et Michel Tassi de l'orchestre septentrional recevront A Lifetime Achievement. Son Excellence Michel Martelly recevra tous les honneurs dus à son rang ce soir-là. Redécouvrez Chaka Dance, Raram, Tikoka, Jean-Jean Rousset et Juanito. Ce samedi 22 décembre, 8h du soir, le luxueux palais municipal de Delma va dérouler son tapis rouge en signe de respect au spectaculaire Haitian Entertainment Awards 2012. Prix du billet 1000 gourdes. Info 48 13 22 30 31 07 08 60. Mesdames, Messieurs, nous retournons et justement, il y a une partie qui est plus intéressante dans la chose, parce que ça, c'est ça que nous voyons dire, non? C'est le patient qui est aussi notre invité. Patient, impatient d'avoir les questions pertinentes ou impertinentes. Comme je sais si bien le dire, on va essayer de lui tirer le verre du nez avec certaines questions. C'est parti psychique, Shoah. Smoy, est-ce qu'on pense qu'on a l'autre forme de vie dans l'univers? Est-ce que je dois fermer les yeux pour répondre? Ah, écoute, tu fais ce que tu veux, tu réponds comme tu veux. Ok. Bah quoi, personne n'a de manière certaine qu'à répondre en question à ça. Et la dimension nous sous la terre nous toujours voulons ouais, toute bagarre même gens avec réalité pas nous et nous même croyons que bon Dieu sont on a à peu près même gens avec nous et qui même y a des besoins alors que nous avons imaginé que n'est pas nécessairement ça et nous nous montre de côté que et le matériel et emporter beaucoup plus que le spirituel. Côté que nous voulons voir ça qui est concret. Alors que sous la terre même, nous rendons compte que il n'y a pas que le concret, il y a l'abstrait tout. L'abstrait tout à fait. Il n'y a pas que le noir, il y a la lumière, tout à son contraire. Alors si la terre enseigne nous que tout à son contraire, pour que ça ne nous pas ouvrir nous à ne pas ouvrir à l'univers pour nous comprendre que Grand Pilba est peut-être que nous pas imaginé mais qui existait. Ok, ça veut dire pour vous-même l'autre forme de vie dans l'univers. Bon, il n'y a pas que les humains. Pas dit de manière affirmative que gain on l'autre. Il y a aussi les humains. Mais parce que faut nous ouvrir nous à ça et que le parent étonnement pour nous si toutefois on joue une rencontre aux martiens ou bien rencontre les Tankou qui sont sur Jupiter. Bon non, trois émissions françaises qu'on regarde. Parce que je titre de manière, même pas regarder télévision pendant longtemps. Ça fait longtemps que je ne regarde télévision, donc je ne pas vraiment regarder titres, films, émissions françaises en tête. À dire que on Luc de la rue, c'est pas un monde que vous connaissez. Non. Quand t'as parlé de monsieur, moi songer que monsieur était en difficulté tout récemment.
et il était fait un pile bruit en France. Et apparemment, il est mort de cancer, je crois. Non, mais qu'est-ce qu'il est exactement? C'est quoi son métier? C'est un présentateur français. Ok. Ouais. Et qui est monsieur Ferro, pas connaît? Pas songer, pas connaît. Ok. Monsieur Gombel, émission que l'on fait, que les ça se discute. Ça se discute. Alors, moi, t'es content des titres là. Mm-hmm. Et alors, dans des titres là, dans des non-présentateurs, même pas jamais fait rapprochement parce que, et bizarrement, télévision, c'est pas. C'est bon, bah, qu'on regarde vraiment. Regarder longtemps, regarder souvent. Et deuxièmement, même radio, tout, c'est l'homme de la machine, c'est l'homme dans les radios. Est-ce qu'on pensait, par exemple, si tu as fait une équipe basket sans jouer basket, sans mec qui joue basketball, ou faire une équipe basket sans jouer basket, qu'est-ce que tu as pris? Je prends vous-même. Et sinon, je ne vais pas faire du tout. Si ce n'est pas vous-même, je ne vais pas faire du tout. On prend Cédric, on prend Cédric tout, on prend Evans. De jouons pas si vous faites équipe basket là, mais c'est nous qui prenons n'importe qui nèg. Parce que pas qu'à concevoir qu'on voulait faire en équipe basket avec nèg qui par contre joue basket. Pas concevoir qu'on fait en équipe football tout avec nèg qui par contre joue football et qui pas rien comme passion pour football là. En parlant de football, ou qu'à proposer pour me faire caille sans porte d'entrée là dans tout probablement. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Qui jouait football ou PMA? Et bon, c'est clair que je ne peux pas dire Messi. Au bon problème particulier avec Messi? Non, parce que Messi, c'est la grande passion du moment. Et l'on n'a pas analysé les résultats, parce que c'est les résultats seulement qui mettent nous d'accord. Parce que tout autant nous parler dans les chiffres pour nous dire qui est-ce qui a raison ou bien qui est-ce qui a tort. On a fait des débats qui ne peuvent jamais finir. Et c'est à partir de score au football là seulement qu'on connaît qui équipe qui gagne et qui équipe qui pas gagne. On nous a tendance à juger avec un peu d'émotion et avec fanatisme. Et de sorte que match a fini de jouer bien avant que le commence à jouer pour nous. Donc je pense que c'est dans le record où on allait, dans le score où on allait pour nous qui joue aujourd'hui, hein, que nous baille palme là. De même que, en pile, on a toujours dit par exemple que fille fait moins accident que garçon dans la conduite machine. Ah bon? Oui. Okay. Fille fait moins accident, pour qui ça? Pour qui ça? Parce que il y a moins de filles qui conduit que garçon. Bon, ok, pas de problème. Il essaie de nous faire voir qu'il est extrêmement intelligent avec ses réponses. Mais ne vous en faites pas. On va le trucider. Ah ben si c'est dans ce cas je le suis déjà. Pas besoin de gaspiller énergie. Hein? Ok, allez. Si on t'a pour choisir entre Kobe, Cristiano Ronaldo, Nadal, gros tennis maintenant, pour écrire une pièce théâtre, qu'est-ce que tu as pour? Bon, je crois que là, je t'ai perdu l'intelligence qu'on se prêtait dans l'heure. Et je t'ai préféré pas faire aucun choix. Parce que. Mais il faut faire un choix, mon ami. Mais pourquoi c'est pas possible? Pourquoi ça pour nous faire un choix, il n'y a pas mené à aucun résultat? Parce que vous citez trois noms de sportifs pour un domaine qui pas représenté domaine par eux. Pourquoi ça nous veut faire expérience ça? Bah, je me connais. Bon, bien, si vous voulez me citer ton nom, il y a n'importe. Alors, il y a n'importe qu'est-ce, toi. Qu'est-ce que tu aurais, qui est-ce que tu aurais choisi? Sans critère, pas un choix. Sans critère, pas un choix. Sans objectif pour jouer un résultat, pas un choix. Ok, résultat, c'est 20 là surtout. Eh bien, Kobe. Kobe? Oui. Vous pensez que monsieur tape 20 films là plus bien? Vous pensez que monsieur gagne plus réputation, monsieur gagne plus influence? Et performance monsieur dans ce sport là t'as fait que son personnalité beaucoup plus intéressant pour regarder un film que monsieur fait même s'il tape même j'avais un film qu'on t'a fait. est-ce que ou bien particulier pour Kobe vis-à-vis de Ronaldo ou du moins Nadal et personnalité ça comme ça petit là. Bon, moi, c'est que nous sommes plus intéressés à football en Haïti que basket.
Et je pensais que moi-même, si je t'ai choisi un sportif que. Pour une choisir un sportif, je t'ai choisi Kobe, je t'ai choisi Ronaldo, parce que je suis plus intéressé à football que au basketball. Ok. Si vous avez pour vivre dans un en tant qu'animal, en animaux, quels animaux t'as choisi? Être humain. Son animal, tout. Vous racontez ça, animal? Oui, un animal pensant. Ou dépensant aussi. Qui dépense beaucoup. Ouais. Non seulement de l'énergie, mais aussi de l'argent. Bien sûr. Ouais. Et est-ce que vous pensez, par exemple, que Reginald Lubin, puis qu'on acte pas ça. Tu as souhaité ça pour lui? Tu as souhaité ça pour moi? Ok, pas de problème. Bon top 5, 5 meilleurs acteurs pour le cinéma haïtien. Bon, et la prend Régie, Réginal. La prend Jacques Maurice, que moi je m'appelle. La prend Bichat, que je trouvais qui est extraordinaire dans ses improvisations. Et puis la prend Sandra Lobir. Et puis ça fait combien? Ça fait 4. Et puis Manfred Maslin. Ou pas fait choix ça parce que ou on est qu'on plus relation plus étroite avec que d'autres. Non, on fait choix de manière objective, de sorte que si je dis à me tape un film et même été les 5 meilleurs gens sur là et c'est au même que me tape choisi. OK, ou pas laisser fini phrase ça au moins. Et c'est on sait de sagesse haïtienne. Kabrit Gad Met Kaela. Finalement. Avant l'entrée. Ravette pas jamais gain. Ça c'est pas créole. Ravette pas jamais raison devant poule. C'est pas créole? Non, ça c'est pas créole. Qu'est-ce que c'est? C'est français. Ah bon? Ok. L'enfer est pavé de. Ça, c'est pas français, c'est créole. De bonnes intentions. Il essaie de m'amadouer. C'est pertinemment que je vais l'avoir. Donner un titre de film au divan de Monsieur Jean. Le titre d'un film. Le titre d'un film, n'importe quel film. Donner un titre de film au divan de Monsieur Jean. Oh, c'est facile à trouver ça. Le divan divin, le divin divin. Mesdames, messieurs, on l'a eu. Mais on l'a eu naturellement à l'usure. Parce qu'il s'est bien défendu au début. Ça a été un plaisir de l'allonger sur le divan et de lui tirer les verres du nez. Non seulement le cuisiner, mais aussi lui tirer les verres du nez. Mais il nous a montré son côté intellectuel qui nous a un petit peu intéressé, qui nous a un petit peu, comment je peux dire, qu'on a aimé un petit peu, voilà. Et nous allons prendre la pause, la dernière, qui sera la dernière pour revenir naturellement au finish de ce show pour aujourd'hui. Moi j'ai un téléphone qui gère Twitter, Facebook, web, les gars de YouTube, moi ma chat email yo sous contrôle. Moi comme ça, moi vle téléphone. Pas qu'il négocie, c'est l'équipe bon à moment. L'équipe
bon marché, le plus bonne qualité. Les faciles pour gérer, wap je n'y tout côté. Vous êtes pour ça, c'est lui qui téléphone pays. Caméra, photo, vidéo, Wi-Fi, MP3, c'est Blue qui téléphone pays. Blue, téléphone pays. Disponible dans tout magasin Digicel. Mika Benvin ban nou bon nouvel. An babouchon bel. Koman se mwa septem lan. Tropike sabla yon pil kado sou nou. Machin chevole, motosiklet fife, investe, frigide ak televizyon figi blan valye yo kane. Telefon Blackberry ak an pil aje. Gen dechon kage. Premièrement, so ap toujwen primen. Direk direk an babouchon robusto. Ragaman ak nou vo ragaman gold la. Ke wak ka reklamen an tout depo otorize. Ou mye mobil ragaman lan. Deuxièmement, wak je let an babouchon yo pou fame mo. Ragaman, robusto ou bien gold. Pour ça, vous permettre de participer à un gros tirage. Côté vous gagnez un pile boost de titres, une vente et plusieurs machines. Un babouchon, belle papa. Débouché gagné, achetez bouchon yo. Tirage ça a fait le deuxième vendredi, mois d'octobre, décembre et février 2013 sous Télé Caraïbes. Les productions Lionel Lamar explosent en éclats. À travers la 18e édition Haitian Entertainment Awards, il y aura 8 catégories, dont la chanson de l'année et l'artiste de l'année. Le trophée Outstanding Achievement sera décerné à Lionel Benjamin. Musique Musique, Yol de Rose, Carole de Masmin, Zéclé et l'honorable magistrat Wilson Jeudy. Pour leurs 50 ans de service respectifs, l'orchestre Tropicana et Michel Tassi de l'orchestre septentrional recevront a Lifetime Achievement. Son Excellence Michel Martelly recevra tous les honneurs dus à son rang ce soir-là. Redécouvrez Chaka Dance, Raram, Tikoka, Jean-Jean Roussel et Juanito. Ce samedi 22 décembre, 8h du soir, le luxueux palais municipal de Delma va dérouler son tapis rouge en signe de respect au spectaculaire Haitian Entertainment Awards 2012. Prix du billet 1000 gourdes. Info 48 13 22 30 31 07 08 60. Monsieur, c'est le finish pour aujourd'hui. Nous avions reçu pour vous autres un homme qui a beaucoup fait pour le cinéma haïtien et puis qui gagne deux gros entreprises, deux gros initiatives que le prend, fait pour Société 1, justement pour unifier ou bien réunifier, comme vous le voulez, Société 1. Monsieur fait d'abord chaque fête, Star Parade qui fait chaque avant carnaval et puis il fait aussi l'école La Vie qui réunit beaucoup de monde. C'est des entreprises sans but lucratif. Je voulais naturellement insister là-dessus parce que habituellement tout le monde toujours fait bailler pour faire l'argent. Mais monsieur fait pour réunir monde, pour unifier monde d'abord et puis réunir monde ensuite. Parce que nous désunis ça fait quelque temps nous à yon a tiré à bouler rouge sur l'autre.